Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Talk with Patty BM. J'espère que vous êtes tous abonnés sur la chaîne. J'espère que vous likez, que vous commentez, que vous partagez les vidéos et aussi que vous activez la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une vidéo que je vais vous mettre là juste après. C'est le témoignage de la marraine de Maman Blanche, celle qui est morte dernièrement, la femme du pasteur Marcelo, parce qu'il y avait tellement de polémiques sur sa mort et tout le monde a dit tout et voilà, il y avait tellement de spéculations. Et donc, du coup, la dame, elle est venue témoigner pour nous expliquer un peu, en fait, le rêve qu'elle avait fait il y a quelques années. Et qui disait qu'elle savait qu'elle allait partir en fait. Donc du coup la dame elle commençait à vivre à 1000 à l'heure. Et elle explique ça en fait. Donc écoutez-la dans la vidéo. Elle savait, mais sauf qu'elle ne connaissait pas les jours. Elle était à la fois forte et fragile. Le Seigneur lui avait révélé ça en 2009. La vision était comment? Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Je suis le pasteur Dorcas, Josepha Daniel. Je suis la marraine du couple Tounassi, Marcelo et Blanche. Donc, je les ai rencontrés, ça fait plus de 20 ans. Et c'est comme si c'était hier. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a été arraché parce que notre regrettée, Maman Blanche, j'ai parlé avec elle avant de prendre son avion pour la Turquie. C'est ma filleule, mais c'était une amie, c'était comme ma fille et c'était la grande sœur de mes enfants. Et j'étais la grand-mère de ses enfants. Je les ai portés un à un, je les ai portés à la maternité, je les ai amenés à l'école. Blanche, excusez-moi de l'appeler comme ça, parce que c'est cette façon que je suis proche d'elle. Je sais que c'est votre grand-mère spirituelle, mais c'est ma fille. Je l'ai rencontrée il y a, je peux dire, plus de 20 ans. Blanche a habité à côté de moi sans savoir que je la rencontrerai un jour dans d'autres circonstances. À l'époque, j'habitais à Kinshasa, à Beaumarchais. Il y avait sa cousine qui habitait à côté. Et c'était une très belle jeune fille. Et elle était belle, très belle. Une très belle femme, très timide, très réservée. Et je me rappelle encore, j'avais l'habitude, quand elle sortait avec ses cousines pour aller faire des courses, je la suivais pour lui parler de Jésus. Parce que j'avais une fondation, je m'occupais de jeunes filles, j'encadrais, je travaillais dans la lutte contre la délinquance juvénile. Et je m'occupais des filles prostituées et je prenais des filles dans la rue pour leur donner un sens dans la vie. Toute jeune fille que je voyais, pour moi, je projetais cette fille dans le futur. Parce qu'il y a deux filles qui sont devenues ce qu'elles sont parce qu'il n'y a pas eu de gens qui ont eu du cœur, qui ont exprimé de l'amour pour eux, pour elles. Et aujourd'hui, mon témoignage tourne autour de l'amour. Et vous comprendrez pourquoi je veux vous dire ça. En 2005, j'étais dans mon bureau, je travaillais dans une banque, j'étais directrice. Et il y a eu un homme de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit « je vais te présenter quelqu'un ». Et cette personne a eu la révélation sur toi de la part du Seigneur. Et je me rappelle, quand j'ai quitté mon bureau, je suis descendue, j'ai vu le pasteur Marcelo. Il était aussi timide, il ne parlait pas beaucoup. Je me souviens comment il était habillé jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, maman Dorcas, le Seigneur m'a parlé pour que tu puisses parrainer notre mariage. Et elle était à la fois forte et fragile. Moi, je n'étais pas pasteur, mais lui était pasteur. J'ai dit, mais comment vous avez laissé beaucoup de pasteurs et c'est moi que vous êtes venu choisir? Elle a dit, non, le Seigneur m'a parlé. Alors je lui ai dit, laissez-moi le temps, je vais prier et demander la volonté de Dieu. J'étais déjà, je servais le Seigneur, mais je n'étais pas pasteur à cette époque-là. Je n'étais qu'une chrétienne engagée au service de Dieu. Et quand je suis allée prier, le Saint-Esprit m'a convaincue d'accepter.
et je les ai invités à la maison et je lui ai dit j'étais d'accord. C'était un appel de fond, une manifestation du Saint-Esprit telle que les gens ont commencé à donner plein d'argent. Et 20 minutes après, je devais courir pour aller à leur mariage. Et quand je suis arrivée à leur mariage, il y avait une gloire de Dieu. Et ils se sont mariés, ils ont été bénis le soir. Et voilà, ils se sont mis ensemble. Qu'est-ce que je peux dire sur Blanche? Elle était à la fois forte et fragile. C'est quelqu'un qui ne savait pas se disputer. Elle ne pouvait pas, entrer dans un débat avec une personne, chercher à trop argumenter. Non, c'était une personne très pacifique. Et depuis que je l'ai connue jusqu'à leur gloire, elle n'a jamais changé d'attitude vis-à-vis de moi. Servir Dieu n'est pas seulement être à la chaîne. Servir Dieu, c'est faire du bien aux autres. Je me souviens dans la parole de Dieu, lorsque un des docteurs de la loi, pour tenter Jésus, ils viennent poser la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Parce que eux, ils savaient qu'il y en avait 10. Mais Jésus va prendre les chiffres 10, il va enlever les zéros pour dire le reste des commandements c'est nul sans que l'amour, si l'amour n'est pas au centre. C'est-à-dire, on enlève le 0 sur le 10 et on laisse un seul et unique commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras le prochain comme tu t'aimes toi-même. Aimer le prochain, c'est donner. Vous avez toujours entendu parler le pasteur Marcelo. Il parle toujours d'une femme. Il dit, cette femme-là m'a offert un véhicule. Je suis cette femme-là. J'étais là. En ces moments-là, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont ligués. Ils se sont dit, comment pouvez-vous faire ça? Je le fais parce que Dieu me l'a demandé de faire. Et je continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Je continue à le faire. Ne fais toujours pas des choses quand les gens sont au sommet. Mais vous ne savez pas quel est leur avenir. Parlons de sa mort. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait, mais sauf qu'elle ne connaissait pas les jours. Le Seigneur lui avait révélé ça en 2009. En 2009, nous étions en prière à la compassion, avant que la compassion n'ait l'explosion qu'il y a aujourd'hui. On était en prière, parce que quand ils ont déménagé vers Limité, le pasteur m'avait demandé si je peux venir aider Blanche, parce qu'il fallait monter le département de femmes. Je suis venue, je travaillais avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, pendant la prière, elle a vu une vision. Elle dormait la nuit, elle a fait un rêve. Et ce même jour, moi, j'ai vu une vision. Je suis venue partager la vision avec elle. La vision était comment? C'est qu'elle s'est vue plus tard. Ils étaient en train de monter la montagne avec le pasteur Marcelo. Et quand la main de pasteur Marcelo a touché le sommet, elle était fatiguée. Elle tenait par la main et sa main gauche a glissé. Elle est restée une main attachée à Marcelo. Et Marcelo lui disait, Blanche, s'il te plaît, tiens bon, tiens bon. Elle a regardé son mari dans la vision. Elle lui a dit, non Marcelo, je dois partir, je ne peux plus continuer. Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que si nous regardons tout ce qu'elle a fait, on peut faire comme dans Actes des Apôtres chapitre 9, demander sa résurrection. Oui, Dieu peut la ressusciter. Oui, Dieu peut la ressusciter dans sa souveraineté. Si elle a encore la provision ici sur la terre, Dieu va la ressusciter. Mais si elle a épuisé sa provision, Dieu va la recueillir. Pour preuve, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai pleuré comme un enfant. J'étais devenue folle dans ma chambre d'hôtel. Bon, ben, j'espère que vous avez bien entendu ce que la dame a dit. J'espère que ça nous donne une leçon à tous d'arrêter les spéculations, en fait, quand on reçoit la nouvelle du décès de quelqu'un. Parce que c'est pas facile de perdre une personne, c'est pas facile, en fait. Donc, du coup, qu'on essaye un peu
d'avoir la compassion envers leur famille, en fait. Donc, du coup, le moment de spéculation pendant la mort des gens, je trouve ça pas très bien et tout. Donc, j'espère que ça aura donné les explications. J'espère que ça va dédouaner son mari, parce que du coup, le mari, il est tellement suspecté par tout le monde. Donc, j'espère que ça aura pu donner des réponses à quelques personnes. J'espère que ça va arrêter les spéculations. Je ne sais pas. Je dis juste que les allégations vont toujours continuer, ça c'est sûr, parce qu'il y a des gens qui y croient pas. Donc, espérons que maintenant, ça va faire en sorte de pouvoir apaiser tout ça, quoi. Et aussi, le pasteur Denis Lessy a demandé pardon pour toutes les choses qu'il a pu dire par rapport au décès de cette dame. Voilà, je vous laisse commenter, liker, partager la vidéo, activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore faite, abonnez-vous, likez les vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao.